Sur appel de la société civile et les mouvements citoyens, la population est descendue dans la rue pour exprimer son soutien à l'armée congolaise qui lutte contre l'invasion de la RDC par le Rwanda. Dans une vidéo filmée à partir du Rwanda, à la petite barrière de Goma au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda, l'on aperçoit la population de Goma cherchant à franchir la frontière pour aller à Gisenyi protester contre l'agression rwandaise. Bloquée par les forces de sécurité, qui a dû faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants remontés. De passage, toutes les affiches portant la marque rwandaise devraient disparaître. Ils se disent être fatigués. Cette marche signifie pour moi une expression forte. C'est ça l'âme de la ville de Goma. La ville de Goma vient de s'exprimer et le message est clair. Non à l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Non à la négociation avec les terroristes du M23. Soutien total à nos FRDC. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse déclarer l'état de guerre et nous permettre, à ce que chaque Congolais puisse défendre l'intégrité du territoire national conformément à l'article 63. Nous sommes prêts à défendre notre patrie. Nous sommes prêts à mourir pour le Congo et nous allons le faire. Ce message, il est excellent, il est éloquent. La population s'est exprimée. Après le dépôt de leur mémorandum, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord qui vous les a remerciés en ces termes. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien. Le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FRDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu, nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre, et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Mais le fait que madame la réforme actuelle de notre côté, on ne peut pas accepter. Mais je crise, ça serait notre faiblesse. Nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, vous policiez, madame la patrie, les autres, nous avançons avec nos hommes, la population va à notre pays. Vous m'entendez bien? Allez, vous avancez lentement, mais sûrement, vers la population.
Comment on a dit à gars? Comment on a dit à gars?